J'ai voulu témoigner de la façon dont un distributeur, une ETI euh, de la distribution B2B, pouvait amener ses consommateurs, ses clients à avoir un comportement et des achats plus responsables. Alors, premier élément, les aider à consommer moins, euh, passer d'une logique de vente de produits à vente d'usage, euh, leur montrer où est-ce qu'ils avaient des comportements de surconsommation, en prenant le pari qu'aider le client à consommer moins, c'était le fidélité dans la durée. Deuxième axe, c'est l'information c'est aider un client à connaître l'impact, on va dire, à 360 degrés d'un produit, pas uniquement le prix, mais son impact environnemental, son impact social, pour l'aider à agir en toute conscience. Et puis le troisième élément qui est fondamental, c'est l'économie circulaire. Aujourd'hui, beaucoup de produits sont jetés, alors qu'ils pourraient être mis quasiment en l'état euh, sur le marché. Et donc, il y a aujourd'hui un réservoir très fort de croissance, un bon pour l'environnement, bon aussi socialement, parce que l'économie circulaire impose de la reprise, du reconditionnement des métiers qui peuvent être confiés à l'économie sociale et solidaire.